Bon, on va voir, on va déjà faire comme ça. Et bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous prenons du coup une nouvelle démo dans le Steam Neo Fest. Ce sera Superfuse, qui n'est pas du coup en multijoueur pour le moment. Ce qui est dommage, single player only. Et qui fait ramer du cul mon PC. Donc du coup, je vous ai pas laissé la cinématique du début. Bien dommage. Problème des RTX 2070, apparemment, c'est nul. Alors en même temps, bon, ils m'ont tout mis en épique. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est que le jeu veuille bien me mettre en épique. Voilà, vous avez vu, regardez. Comme ça change tout. En épique, c'est ok. En high, du coup, on se chope une lumière ici. Intéressant. Bon, écoutez, on va diminuer un peu. Et donc, le gameplay est forcé d'être en QWERTY. Ah, language, Deutsch. Zurück. En QWERTY apparemment, donc c'est un Alt-Shift. Pour du coup passer en clavier anglais et être en QWERTY. Ok. Et donc malheureusement pas de manette pour le moment. Parce que dans le futur il y en aura. Let's go. Par où, je sais pas en vrai. Ah, select your class. Le berserker et l'élémentaliste. Lui on ne sait pas. C'est qui? Que dit l'élémentaliste? Elle est niveau 10 et elle dit let's get started. Le berserker est niveau 10 et il dit what's up. Très bien. Ah, QWERTY. Donc des skills, le mur de glace, un mur de glace, Inferno, Fireball. Chill, du clic gauche, du blaze et du glacier. Ah, mais c'est Shoto. Todoroki. Et un arbre de talent. Bon, on est déjà niveau 10, donc on a passé certains trucs. Ah, merde. Je sais que je pas tout le monde. Mais clic gauche, ah oui, mais clic gauche sur un ennemi. Y a pas de cooldown sur les skills. Donc là, j'ai pu en spammer deux. Mais j'avais pas eu tant de clients ces derniers temps. Are you in the market for thermal underwear? Es-tu venu au marché pour des sous-vêtements thermiques? Voilà. Enfin, un nouveau enforcer, je sais pas comment on traduit ça. J'ai des armes que tu vas adorer. Les mineurs n'en ont pas trop l'utilité. Et après, je sais pas ce qui était écrit. C'est beaucoup trop petit. C'est diablo-esque. Totalement diablo-esque, l'interface. Diablo-esque, interface. Donc nous avons un bouclier, nous avons moult choses, nous avons un gant bandé. Et du coup, ils vendent des trucs et des machins. Mais alors, est-ce qu'on a de l'argent? Nous avons 10 pognons, non? C'est quoi ça? C'est notre pognon, c'est notre jauge d'expérience, c'est pas clair. Ou alors on est infini, on a du pognon à l'infini. Ce sont des C barrés. Bon, écoutez, de toute façon, je pense qu'on a... Ah d'accord, alors clic gauche c'est pour le déplacement, clic droit ça a bien lancé la capacité, alors du coup comment on lance cette capacité clic gauche? Je suppose qu'il faut viser un ennemi. I need to check on Adriana. I've not heard from her for weeks. Bon, nous on a plutôt envie de voir le gameplay je pense. Donc du stockage, Mariahu, Nicolas, Jules. Du sang sous les ongles, plein de scuffle head. The rule of the gods must be protected, or we all suffer. It is for the greater good. Oui, bien sûr. Oui, je dois arrêter la corruption. C'est quoi le plan? Under the cover of chaos, the Ketu have planted a corruption. Ah, les Ketu, ils ont planté un pot de corruption dans les conduits. Operation to my control. Oh, c'est grave. Oh là là, on sent que c'est grave. The gods don't care. All right. Got your clearance. You can leave. But ah merde. D'où mec, je sais pas quoi. J'ai pas écouté ce que t'as dit. Pardon, t'étais trop loin. Tu peux répéter? Non. Ah mais il va après, je laisse afficher la manette du coup, vu que c'est la manette Joseph. Miss. Ah là, ça commence bien. Et ça rame du cul.
Pourtant, on a diminué la qualité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste... Ah, c'est de la glace? Non, je sais pas. C'est des fantômes? Qu'est-ce que c'est que ces taches? Comme ça, on peut se préparer. On peut mettre le mur de feu derrière. Et comment on passe, du coup, alors, le mur de glace? Ah bah, d'accord. Une fois que tu te bloques... Alors, le R. Alors, je sais pas à quel point ça rame du fion pour vous. On perd combien de frames? On a perdu combien de frames? Merde, j'ai voulu faire du Alt Enter apparemment. Je me suis loupé 15 fois. On perd 0 frame. Alors, du coup, ça rame du cul, mais c'est ok. On perd 0 frame quand même. Ah, on est déjà à moitié mort. Ah oui, alors notre... comment on restaure nos PV à part avec 1? Alors, est-ce que vous avez l'impression que je fais que du clic droit? Oui. C'est pas qu'une impression. Et lui, il est où, là? Il est sous terre? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est au plafond? Par contre, on se fait entre guillemets facilement toucher avec un feedback des plus douteux. Et du coup, il n'y a pas de régène de PEV. Les bots fortifiés. Ah, le E, il est efficace. Un pantalon recousu. Des épaulettes. Est-ce qu'on peut tourner la caméra d'une façon de quelconque? Le clic milieu. Non. Bon, y a plusieurs injections sur le 1. Sur notre fiole de soins. On avait 3 sûrement comme le... Non mais arrête de jouer la cac parce que tu te prends un coup à chaque coup. Super, on a mis le mur de glace pour la seule personne qui était capable de passer outre. Et sinon, les potions, elles sont où? Ah, mais ça se régène tout seul. Ah, bah non, on a droppé une potion, sûrement. On a 2 sur 3 maintenant. Non, on ne se casse pas. Pourtant, on aurait bien envie. On a trouvé la tab, c'était du coup le bouton à la Diablo qui nous permet d'afficher la map comme ça. C'est moche, mais c'est efficace. Ouais, super. Oh! Du violet! Est-ce que du coup on est safe dans notre inventaire? Non.
Mais c'est ça l'infection du coup? La corruption, je sais pas quoi. Infufrost. Ah, des bots. Non, pas du tout. C'est quoi le Infufrost? Ibapante, Tichitchit, Bundusbu. Ah, peut-être qu'on l'a équipé immédiatement parce qu'on l'avait pas. Ça, new. Infufrost, equipped. Ice Resistance, Bobo Bleu, c'est un trinket. Bon, les bots, du coup. Equipped, c'est meilleur, je pense. Ibapante. Mais ils sont bien meilleurs ceux-là. Ouais, c'est de la merde en boîte. Bonne idée. Non mais par contre, il faut que j'arrête de faire ça. Dans le vide. Mais y'en a combien, bordel? Ah là, c'est parce que c'est une ruche. Le pantalon du sidekick. Je suis pas sûr qu'il soit. Vu son nom, je suis pas sûr qu'il soit bien. Sauf si le sidekick, il est plus pété que le héros. Bon, c'est pas mal de pouvoir ralentir ceux qui nous poursuivent, ce truc-là. Sortie. Ah, ben, ah si, j'allais dire, on voit pas notre curseur sur la map, mais si. Il est tout petit, mais en même temps, il est sous notre personne, donc c'est ok. Ah bah ben merde, on avait déjà tout visité. Je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi aussi bon. Bon, on s'en sort, mais difficilement. On n'a pas eu besoin de la potion de mana. On a été plutôt équilibré. Conduit B. Accès au conduit 1A bloqué. Il n'y a plus de sous-titres. Aucun personnel vivant détecté. Mais par contre, du personnel non vivant, oui. Tu as trouvé un fuse. Appuie sur I pour ouvrir ton inventaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tidal. Instead of being stationary, the skill moves forward like a tidal wave. Et tu le mets où? Là? C'est un trinket? Non, pas du tout. Ah, c'est un truc qui unlock. Kick droit. Tidal unlocked. S pour ouvrir le skill menu. Clic gauche sur le Inferno. Pour entrer dans le skill creator. Ah, mais d'accord, à chaque skill. Wall Widths. Passif. Plus 2 spawn sideway. Require fire wall skill. J'ai rien compris, mais ça a l'air trop bien. Donc, du coup, pour chaque skill, on a un arbre de l'enfer. Mirror. Crée une copie miroir du mur. Mais attendez. Ah, mais non, si, d'accord, ça c'est le mur. C'est juste le mur. Donc, on voudrait que j'utilise le Tidal? Mais non, mais ça n'a pas de sens. Le miroir, d'accord, je comprends, mais le Tidal, non. Ah d'accord, il se met à... Il prend deux crans comme ça. Et ça, c'est quoi, ça? Lucky Looter. Enemy you kill have an additional... Et la Will Woods. Wids. Ben, on en a la deuxième. Attendez. Si ça marche pour que pour les walls... Pourquoi est-ce qu'on le mettrait pas? Upgrade skill. Nanana. Donc du coup...
Est-ce qu'il vraiment on aura beaucoup de skills? Ah, on a aussi Torch et Ice Shard. Ok. Alors là, par exemple, du coup, le truc qui dit je sais pas quoi. C'était quoi qu'on avait drop? Ça. Ouais, non, pas du tout. Ah, mais attendez. Du coup, on l'a pas, Lucky Looter. Ça, c'est le truc qu'on utilise le plus pour tuer des gens ou pas? Homing. C'est fort quand même. Et le zigzag. Attendez, lui il est comme ça et le zigzag il est aussi comme ça. Mais on peut. Bah si, on peut faire comme ça. Mais alors, du coup, l'autre il était vraiment juste pour faire avancer. Mais je vois pas trop. Ah, c'est ça, ça peut avancer. Dash. Your ability dashes to the targeted location. C'est peut-être un peu risqué. On a pas trop envie. Stun. Mais par contre, moins 50 de dégâts physiques. En même temps, si ça peut nous éviter de nous prendre un coup. Le glacier. Ah bah d'accord, le zigzag était occupé. Ricochet et pierce. Fuses cannot overlap. Mais c'est quoi ça? Ah d'accord. J'ai du mal à savoir en fait les zones libres des zones pas libres. Mais ça, mets-le là-haut, il fait pas chier. Puis tu mets ton pierce là. Alors par contre, j'ai du mal aussi à voir pourquoi de temps en temps ça s'étend et pourquoi ça s'étend pas. Là, il n'y a plus rien qui s'étend, donc c'est un peu dommage. Bon, j'ai l'impression qu'il y en avait trop. Un waypoint, donc du coup, une téléportation, c'est ça. Donc on peut retourner à Heroes. Comme Heroes. Et vendre du coup. Looks like you've got trouble ahead. Ah mais par contre tu peux te taire. Oui. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans l'inventaire? Pourquoi ça clignote? On dit 3 news, c'est pour ça le sidekick trousers. Bah c'est pas les roofs. Et ça c'est quoi ça? Armor boost. Au lieu du health booster. Ah ça se met à la place des potions. Bah ça du coup autant le mettre. Non on peut pas le mettre là. Pourquoi? Il manque un emplacement, j'ai pas une ceinture assez grande. Et on peut vendre toute cette maille, toute cette merde, c'est quoi ça? Vendre? Ah non d'accord, là ça équipe. Et contrôle click? Oui, contrôle click c'est ok pour vendre. Bon, regardez ça, mais en vrai... Oups! Oh, ça a fait tellement de trucs. Tout d'un coup, notre... Locate the entrance of the freezer. Le freezer de Batman. Alors. Il faut trouver un congélo. Il a perdu son congélo, oh, mon dieu. Dégagez. Ah. Le dub. Oh là! Le zigzag. Ce qui fait que du coup, c'est pas ouf. Je crois qu'il était homing. En plus d'être zigzag. Ouais, homing Monsby, oui. Par contre, il doit bouffer plus de mana, non? On est fait, on dash sur l'ennemi maintenant. Mais normalement, on est censé stun. Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui bougent et qui font des éclairs?
Et bim, il est plaqué contre le mur. Bouffer un peu plus de mana. Bon, allez. Ah oui, ils sont tous morts. Faster unlock, il peut être fait avec le fuse, avec Blaze, pardon, ça. Et du coup, alors la jauge bleue, c'est la jauge de mana que ça rajoute en coût. Energy cost 5,6. Du coup, on prend ça. On le met là. Ah bah non. Ça coûte pas plus cher. Par contre, c'est peut-être un peu enflammé sur le homing, la fireball. 6,4, ça coûte cher quand même. Surtout le zigzag. Comment on en... Ah bah. 6,4 quand même aussi. C'est là qui a rajouté tant de pognon. 6,4 toujours. Et le homing 6,4. Ça a toujours coûté 6,4. Donc au final, mais attendez, il n'y a plus rien. Et ici, pourquoi ils sont tous cochés? Zigzag est coché. Le homing, il était où? Pierce. Split. Homing. Pourquoi il est encore coché? Du coup, on ne sait même pas lesquels sont en dispo et lesquels sont pas dispo, bravo. Ah, par contre, le ricochet, moi, ça me plaît bien. Plutôt que le zigzag. Et pour... Ah oui, non, excusez-moi, excusez-moi après tout le monde. Oh, le ricochet, ça marche aussi sur les ennemis. Bien meilleur que le zigzag, hein. On n'a pas trop utilisé le séismo de glace depuis qu'on a mis les nouvelles capacités. C'était un cadavre. Energy Restoration, ça a l'air pas mal ça. Vu son nom. On a level up, il faudra regarder qu'est-ce que ça fait. Puis assez de mana pour rien. Voilà, voilà, je me suis enflammé. C'est pas la bonne touche pour s'enflammer.
Bah super. J'ai inversé du coup la tendance. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'on prenne aussi cher, mais tout petit. Ils sont tout petits les trucs. Infushock, Adrenaline Band, c'est un trinket qui permet d'avoir moult résistance. Ouais, ouais, ok. Pierce, du coup, on prend. Énergie aussi. Energy Band. Ah, deux booster slots et équipé, et là ça repasserait à 1. Du coup, je vois une manche ouest. Jouast. C'est pas ouf. Il y a des moins, il y a trop de moins. Moi j'ai pas envie de voir de moins. Je veux des plus partout. Alors je sais pas si tous les apprendre, c'est bien ces trucs là. Et là, voilà, on est reparti pour l'infini. Alors. Ah, plus 4% d'énergie est récupérée si on loupe. Your rage stacks also increase energy restoration. Plus 100% d'énergie recharge speed. C'est quoi la rage? Ça prend combien de place ça? Je sais pas. Mais pourquoi je peux plus après spread? Qu'est-ce qui fait qu'il spread et qu'est-ce qui fait que ça spread pas? Bon, le dash en vrai il est fort sur lui. Mais là, y a rien de vert. Max range. Ah, c'est pas mal ça. Bah, ça par exemple, que ça se dit zigzag, pourquoi pas. Slow down. Ça, c'est quoi le max range? Ah oui. On a tout bourré en max range. Le split. Bah, la base, c'est le split. Ah, mais on peut upgrade. Le skill, donc par exemple je le fais ou pas. Ah, et donc là voilà, ça m'a propagé. Celui-là il irait plutôt là, et donc le zigzag qui est là irait plutôt là. Mais on a laissé des skills niveau 1. Alors que la boule de feu on l'utilise tout le temps, mais elle est forte comme elle est déjà. Charge up. Et bim, ça zigzag, et du coup ça fait n'importe quoi. Oh là là, regardez-moi tout ce spread. De l'infini. Qu'est-ce que c'est que ces zombies? Désinfectés. Dégagez, sortez de chez moi. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet de sortir du coup de ce mur, le dash. C'est que ça. Pas fou, c'est un mur. Du coup, les pouvoirs peuvent passer de fort à ultra puissant, méga supra puissant. D'où le super fuse. Que ce sont des fuses qu'on trouve. C'est ça, son AOE, petit bâtard. Putain, il est mort.
Oh là! Ah oui, d'accord. Les kamikazes. On a plus assez d'énergie pour activer la fireball, on en est là, dans la misère. Les fameuses grèves. On a plus de place, il bagrive. On a moins d'énergie charge speed et moins de luck. Pas sûr d'être jouasse, mais ok, je valide. Le homing, le charge up, le zboubou. Très important, le zboubou. Est-ce qu'on pourrait pas jeter un peu tout ce merdier? Ah, on a déjà plus de place. Comment on pick up? Equip. Et ah, mais ça coûte 49 quand même de valeur de revente. Que les bottes nulles, 27, 27, le pantalon à 32, 49, 49, 27. Hop, hop. Il y avait l'air d'y avoir plein de trucs en haut, mais il y a plein de trucs en bas aussi. Enfin, il y a résistance, c'est marqué en gros dessus. C'est pas en gros, mais c'est marqué quand même. Ah, les kamikazes, ils font super mal. Ils sont pas évidents à esquiver vu qu'on n'a pas de dash. On a juste le dash quand on cible un ennemi, mais c'est tout. Un bon coup de pied, même s'il y a du feu, ça fonctionne toujours bien. Ah, la musique par contre qui boucle... Et après on repart pour une petite boucle de toutoutoui. Bah j'équipe totalement ça. On a moins de résistance à la glace et on a moins de mouvement speed, mais c'est ok, c'est validé. J'arrête d'appuyer sur échappe, ça ne marche pas. Du knockback sur... sur le firewall, je suis pas convaincu. Déflect, je pense tous les jours. Ah, le chill il a jamais été augmenté, mais en même temps il y a rien dessus. On peut ramener dessus.
Lockback, ça prend de la place. Hein. On sent que c'est bien. Ouais. Quoi ça? On met des trucs. Allez. Let's go. Donc là, ça rejoint là où on était. En dessous, on voit, on sait pas quoi, la ville. Ou pas. C'est vrai qu'on est, on a plus un build feu que glace. Parce qu'après, le mur de glace, lui, il fait pas de dégâts, j'ai l'impression. Voilà. On l'a intercepté en plein air. Il allait sauter sur notre groin encore pour se faire exploser. Et voilà, ça c'est la partie de la musique qu'on retient le plus. J'ai plus assez de place. Qu'est-ce qu'on en dit? Lightning resistance, all spell damage. Nanana, on perd tout ça, mais on gagne en melee attack speed, en radiation résistance. On a de l'énergie qui est restaurée. La moins 15% de crédit. Drop amount. Je vois. Non, en fait, je vois rien. Quoi ça? Ça coûte combien? 43. 43, mais en fait, c'est mieux que ce que j'ai. Ça, ça coûte 35. Ça, ça coûte 50. Pourquoi je voudrais le virer, du coup? Ça coûte cher. 49, 40. Allez, je vais dire ça. 49, 49. Et ça, je sais pas si je l'équipe du coup. J'ai le bouclier d'un côté, mais je peux être dual wield de machin. Le bouclier en même temps, il y a des chances de bloquer et 13 blocs mantes, je sais pas quoi. Ah, mais non, je peux pas. Ok. Il y avait un coffre, enfin une caisse en tout cas. Ça y est, on arrive au freezer. Et c'est tout? Ah, bah super. On s'est fait chier à réorganiser son inventaire juste avant la fin de la démo. Bon voilà, du coup c'était avec l'élémentaliste. Ah. Ah oui, du coup la cinématique vous avez pas vu et qui fait ramer le jeu. Et le PC. Lorsque la Terre s'effondra sous le poids de notre avarice, de notre beaucoup trop de trucs quoi. Oui, la société a fait des trucs. Ils sont installés directeurs de l'humanité. Seulement un seul truc menaçait leur leur hégémonie, la mortalité. Avec les gènes et les nanotechnologies, ils ont cherché à devenir éternels. Ils sont devenus des dieux. Pendant ce temps, l'humanité s'accrochait à la vie pendant des siècles. Et un peu de temps après, oui, des cris de remerciement sont devenus de rébellion. Et une nouvelle menace surgit. La corruption menaçant toute vie humaine. Une nouvelle fois, les dieux nous ont encore sauvés. Ils ont fabriqué les Enforcers. Ayant reçu leur pouvoir des dieux, les héros ont combattu les corruptions. Ils sont devenus les points des dieux à travers toutes les colonies.
Ben non, nous, les enforceurs, la patrouille des enforceurs du système solaire, nous combattons pour les dieux. Nous faisons ce qui est nécessaire afin de maintenir l'ordre. Très bien. Voilà, c'était Super Fuse, la démo avec du coup l'élémentaliste. C'était sympathique. Est-ce qu'on aura envie de tester le Berserker? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura envie de faire le jeu à sa sortie? Peut-être pas. Mais voilà, c'était pour voir si ça valait le coup de le faire en coop ou pas. Ça me sauce pas plus que ça. C'est un peu mou du genou. Il y a eu. Alors c'est intéressant de rendre un skill vraiment surpuissant de A à Z avec les fuse qui change du coup la façon de faire du skill. Après voilà, c'est classique, c'est du Diablo-like, donc à voir, mais je ne pense pas qu'il retiendra plus que ça notre attention. Est-ce qu'il avait une date de sortie prévue, une fenêtre de tir de prévue, histoire quand même que ça vous intéresse, vous ayez l'info. Même si là, du coup, nous sommes le 8 octobre, tout est sujet à changer. Donc, Super Fuse est to be announced. Donc, non, pas du tout. Bon, allez, sur ce, on se laisse en tout cas sur cette démo de Super Fuse. Et on se dit des bisous pour d'autres démos. Tchou tchou tchou.